On a un problème. Xana attaque. Mais c'est qui ce Xana? Un programme extrêmement dangereux. Une sorte de virus qui contrôle l'énergie électrique. Il active les tours de Lyoko pour accéder à notre monde. Il faut qu'on prévienne les autres. Loïc, pas si je tiens encore longtemps. Vos muscles, c'est encore un cours de gym ici. Hey, Stern, lève la patte. Alors pourquoi on va au CDI, monsieur? Ah ah, ça t'intrigue dès la rebia, hein? Allez, on entre. Disparaît qu'un ordi, avec capteur de mouvement peut-être. Très drôle, belle poix. Faut bien se mettre à votre niveau. C'est plus des élèves qu'on a, c'est logique. Peut-être que t'auras enfin la moyenne en sport. Mais moi, j'ai trouvé de quoi vous faire bouger avec un ordi. Ça s'appelle le cybersport. Allez, c'est parti. Ah, bon sang de bois, c'est pas vrai. Yolric, ça va? Oh non, me dis pas que c'est encore Yumi. Oh, mais vas-y, lâche-toi, va lui parler. Pour lui dire quoi? Salut Yumi, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Super. Non. C'est où la bouche qui avale le CD, là? Bon sang de bois, c'est pas vrai! Faut se la jouer plus viril, genre... Ouais, salut Yumi. Viens là, j'ai un truc à te dire. Je t'aime, c'est pas plus compliqué que ça. Génial. T'en as d'autres, tes plans foireux comme ça? Ah! J'ai trouvé. C'est la cyberguerre, votre truc, monsieur. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Jérémy? Quoi? Sur l'écran, il y avait comme... T'as vu le dernier épisode? Bon allez, je compte jusqu'à 3 et tu vas. Laisse tomber, pas tant qu'il est là. Bah, pourquoi? Il est sympa, William. Je préfère encore rien dire que d'entendre ça. De grandes parties, une conclusion. Jérémy, je sais ce que j'ai vu quand même. Oui, enfin, admets que c'est impossible. On l'a bien détruit. Et s'il avait survécu? Comme ça? Moi, je dois y aller. Salut. 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 À plus. Bon allez, vas-y. J'avais oublié de te dire, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Merci. C'est sincère. Salut. Eric, ça va? Ouais. Je voulais te dire un truc important. C'était que, tu vois, avant, on était le plus guerrier. Tout ça, et donc je peux te l'avouer. On n'est plus le co-guerrier. C'est pas gagné. Donc, on n'a plus de mission. Et donc? Là, Jérémy, regarde. Tu l'as vu, dis-moi que tu l'as vu. T'as vu quoi exactement? Un truc lumineux, pas naturel du tout. Et tout à l'heure, ces lignes de code sur l'écran d'ordi du CDI. Je les ai trop souvent vues, malheureusement. Xana? Mais on l'avait pas détruit? Bah, on pourrait réallumer le supercalculateur et voir. Et voir quoi? Que le collège tombe en ruine, que notre prof de sport est barré? On le savait déjà. Ouais, le supercalculateur, les Lyoko guerriers, c'est fini tout ça. Xana est peut-être vivant et ça vous fait marrer? À l'époque, vous auriez eu le quart d'un doute, vous auriez foncé. Alita a raison. Ah.
ton bras me fait vraiment flipper. C'est le supercalculateur qui produit la chaleur en temps normal. Et là, il est éteint. Attendez. Vous êtes sûr de ce qu'on fait, là? Juste sur une intuition d'Aelita, on va rallumer tout ça? Mais j'ai vu les codes de Xana. Bon, vas-y, Jérémy, sinon c'est moi qui le fais. Ouais, vas-y, rallume le chauffage, vite. Tout a l'air de fonctionner. On a une nouvelle fois donné naissance à Lyoko. Tiens. Quoi? Xana? Non, mes deux territoires ont disparu. Peut-être que les données se sont perdues la dernière fois qu'on a éteint. Je lance le super scan. On saura tout de suite si Xana est de retour. Rien dans les flux de données. Rien sur les capteurs. Bon, voyons les tours. Rien. Aucune tour active. Aucune trace de Xana. On n'avait pas du genre à laisser un post-it avec écrit « Je suis de retour ». Dans un autre monde virtuel, peut-être. On a détruit tous les réplicas. Il n'existe aucun autre monde virtuel de la complexité de Lyoko. Non, si le superscan n'a rien vu, c'est que Xana n'est plus là. On l'a bien détruit. Je vais aller sur Lyoko. Oh ouais, bonne idée. Mais pourquoi? Pour aller dans le cœur, près de mon père. Avant que t'éteignes, s'il te plaît. Ok. Scanner prêt. Pareil pour le transfert. Scanner Aelita. Scanner on. Virtualisation. Qu'il n'y ait pas de monstre. Hé, tu vas où? C'est le labyrinthe, là. On ne peut pas aller dans le cœur de Lyoko? Hé oh, je suis en train de te parler. Bon, et puis quand ils auront fini leur petite balade, t'éteindras le supercalculateur. On est d'accord? Ouais. C'est quoi ce truc? Eh, venez voir. Eh, regardez ce... Ulrich, Yumi.
Hé, Jérémy, tu me files ma planche? Je l'adore, Aïta, mais là, on dirait qu'elle fait tout ça juste pour retourner sur le camp. Je peux la comprendre. Et puis bon, de toute façon, l'essentiel, c'est que Xanas soit terminé. Non? Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et au fait, tu voulais pas me dire quelque chose tout à l'heure? Ouais. Une petite séance d'entraînement au gymnase. Ça te dirait? Ouais. Je me disais, puisque Xana n'existe plus, enfin, je veux dire, c'est trop bête de pas utiliser tout ça. On pourrait faire un parc d'attractions. Bienvenue dans ce nouveau parc d'attractions révolutionnaire. Trois mots surprenants et mystérieux vous attendent. Bienvenue à Lyoncoland. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, tu vas parler? Je parlerai si je veux. Ah, très bien! Du sport en dehors des heures de cours. Là, je dis bravo! Non, parce que alors, le cybersport terminé, trop virtuel. Du contact, du vrai, de la sueur, le corps à corps! Allez, à plus, les jeunes. J'ai des fusibles à changer. Et puis, on pourrait faire un overboard fantôme! Un truc super flippant avec des squelettes partout! Et toi, la petite blonde, tu trembles, hein? Oui, je sais bien, c'est normal. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Ah non, tu n'utiliseras pas le coup pour draguer. Mais pourquoi, Jérémy? Pitié, elles vont toutes craquer ici, c'est sûr, allez! Odd, Aelita, j'ai un signal, une tour est activée sur Lyoko. Tu peux répéter, s'il te plaît? Une tour s'est activée dans le 5e territoire. Mais il n'y a qu'une seule tour ici. Elle est en face de nous et elle est inactive. C'est une nouvelle tour. Avait disparu. Je comprends pas. Le super scan était formel, il y avait rien et... Et soudain la tour est apparue. Super, merci. Brillante analyse. Je vais vous guider. Prenez à droite. Là. Mettre un seul gros bouton là, avec marqué là c'est celui-là, là, là c'est celui-là. Non, faut des dizaines de boutons partout. Je sais pas. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Volt, ampère, en watt. Taïvanais. Vous êtes où? Aelita avait raison, Xana attaque. Revenez le plus vite possible et faites attention. Bon alors, t'accouches? Tu voulais me dire quoi? Ok. Ok, je te le dis. Je te le dis. C'est très simple. Ce que je ressens pour toi, c'est que... Je... Non, c'est bon, monsieur. On a fini. On veut plus s'exercer. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je me sens pas bien, là. Mais lâchez-le, vous lui faites mal. Oh! Je vois flou. Je te suis. Je t'en vais dans l'infirmerie. Ça a l'air grave.
Jérémy ? Quoi ? Xana ? Un spectre ? Quoi ? T'occupe. Cours. C'est pas Jim, c'est un spectre. La tour ! J'avais oublié ce que ça faisait. Pour le parc d'attractions, c'est loupé. Il m'a touché. Il m'a refilé un truc. C'est pour ça que je vois pas bien. Je te guide, ok? Ouais, Jérémy. Ouais. Ok. Je dois foncer. Aïta est seule sur Lyoko. On doit désactiver la tour pour détruire le spectre. Odd va te rejoindre, d'accord? T'es à l'abri ici. Jérémy, j'ai besoin d'aide. J'y arriverai pas toute seule. Monsieur Ulrich et Yumi. Tiens bon, Aïta. Yumi arrive. Jérémy, j'y suis. J'ai hâte de foncer en haut, je m'inquiète pour Ulrich. Transfert Yumi. Pense truc. J'aime pas ça, pas ça du tout. Odd, regarde. Jim Inspect, c'est ça? Ouais. Vas-y. Suis-moi. Viens vite. Fais vite. Je te couvre, Aïta. Ulrich est super mal. Le spectre lui a filé un truc. Tête.
à ce délire? Détruit Xana, oui ou non? Oui et non. Quand Aelita, Odd et Yumi ont été virtualisés, des halos rouges clignotaient au-dessus d'eux. Je n'avais jamais vu ça. Vas-y, dis-nous au point où on en est. Ce sont des codes. Des codes sources exactement. Appartenant à Xana. Et au moment où on pensait détruire Xana, il a injecté ces codes en vous. En nous? Ouais, je sais, c'est difficile à croire. Mais l'ordinateur est formel. Pour Aelita, Odd et Yumi, c'est sûr. Il n'y a pas de raison que ça soit différent pour Ulrich. Xana a injecté ses codes en vous quatre, et je me demande s'il envoie pas ses spectres pour les récupérer. Pourquoi? Ça lui sert à quoi, ces codes? C'est sans doute comme ça qu'il a survécu, en nous injectant ses codes. Et lorsqu'il les aura tous récupérés, il retrouvera toute sa puissance. Et il contrôlera tout le réseau mondial. Et on a qu'à éteindre le supercalculateur, et on n'en parle plus. Non. Xana s'est manifesté avant qu'on le rallume. Et concrètement, ça veut dire qu'il a trouvé un autre canal d'accès Clioco vers le monde réel. L'éteindre, ça serait fuir le problème. Faut reprendre le combat. Les Lyokugai sont de retour.